Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce live slash rediff YouTube pour Cultist Simulator. Alors, on continue pas tout à fait la partie qu'on avait laissée à l'épisode précédent, vu qu'on avait gagné la victoire majeure. Et on va faire un test sur le premier DLC, je crois que c'était le premier DLC qui est sorti sur le jeu, qui s'appelle L'Exilé. Alors, malheureusement, cette partie du jeu n'est pas du tout traduite dans le patch français. Donc du coup il faudra qu'on se le fasse en anglais. Pour pouvoir y accéder, on passe par le séparium invisible et on a l'exilé ici. Le gameplay est légèrement différent, le gameplay est similaire dans le sens où il y a toujours cette table avec les différentes cartes qu'on doit utiliser, etc. Mais en fait cette fois-ci on ne doit pas fonder un culte. En gros on travaillait, merci Sergent Alex pour le resubscribe, on travaillait pour une espèce d'organisation un peu liée à l'occultisme. Qui vole de la vie, en fait, des années de vie à des gens. Et le personnage qu'on joue, en fait, un jour, on a eu un peu marre de vivre cette vie, a décidé de se barrer avec plusieurs décennies de vie supplémentaire, en gros, qu'il a volé à son boss. Et son boss est vraiment pas content du tout, et du coup, il nous poursuit. Donc, on est l'exilé, on essaye de survivre. Par rapport aux gens qui nous poursuivent, on a des assassins qui vont essayer de nous traquer, etc. Et on va voyager de cité en cité pour tâcher de réussir, soit de s'enfuir, c'est-à-dire de disparaître, soit peut-être d'affronter notre ennemi et de l'éliminer. Voilà. Donc, comme je disais, la façon de jouer du coup est assez différente. Les verbes sont plus les mêmes. Il y a beaucoup de choses qui vont être très très différentes. Je suis beaucoup moins à l'aise avec cette extension qu'avec le jeu de base parce qu'elle est vraiment très différente. Et je voulais vous faire une partie qui allait vous présenter, vous montrer un peu ce contenu additionnel parce qu'il est assez sympa. Mais je sais pas si je vais viser une victoire parce que je pense que c'est assez dur d'atteindre la victoire. Donc on va faire ça. C'est parti. Salut Sergent Alex. Ok, donc soleil couchant, il est temps de partir. Donc il faut qu'on se nomme aussi. Attends, pause. Voilà. Du coup, qui c'est qui veut avoir l'honneur de faire partie du... qui veut être notre exilé cette fois-ci, parce qu'on a déjà fait l'adepte Jayce et on a fait l'apôtre Raccoon. Donc faut trouver autre chose. Donc notre premier verbe c'est employer. Donc c'est utiliser plutôt. Utiliser quelque chose, donc des opportunités, lancer des opérations ou convertir des années en cash. Donc on a des années ici. Donc on a ça, c'est une année et ça c'est une décennie. Donc on a 77 années au total qu'on a volé. Ensuite on a des traces. Ça, ces traces, c'est ce qui servent à l'ennemi à nous poursuivre, à nous trouver et à nous éliminer. Et donc on peut mourir parce qu'on peut se faire assassiner. Gilix, allez c'est parti. Donc l'exilé Gilix. Attends, je vais juste valider, marquer comme terminé, c'est bon. Ok. Et ensuite, nous avons un plan pour s'échapper. Donc, on va utiliser ça pour commencer déjà. Donc, mes anciens camarades sont en train de me rechercher. J'entends leur murmure et claquement de doigts partout dans tous les coins. Et c'est pas étonnant avec ce que je viens de voler. Mais j'en avais assez. Et donc, c'est pour ça que je m'en vais. Donc, d'où on a volé 77 années. Et du coup, nous avons accès à plein de nouveaux trucs. Donc on a la carte notamment suffisamment loin et suffisamment vite. Donc j'ai suffisamment de cash pour le voyage, mais je vais avoir besoin de voyager léger. Quitter une cité va faire perdre vos poursuivants, mais ils vous retrouveront éventuellement. Donc les traces sont justement c'est des preuves de notre présence à un endroit, si vous voulez. Donc du coup, on va avoir le temps qui passe. Avec le temps qui passe, ça peut faire venir quelqu'un qui va du coup, s'il y a des traces sur au plus il y a de traces sur le plateau, au plus il y a de chances que ça fasse venir un agent de notre des gens qu'on essaye de fuir, qui va nous trouver et du coup il faut qu'on génère le moins de traces possible dès qu'on va réussir à s'enfuir. Ensuite on a récupéré du coup une cité. Attends d'ailleurs, ouais non ça. Donc on a la cité de Prague. Une fois qu'on aura quitté notre cité actuelle, on ne pourra plus jamais y revenir. Donc ça c'est une mécanique auquel il faut faire gaffe parce qu'en fait dès que vous arrivez dans une cité, vous pouvez préparer votre fuite vers une autre cité
Et vous pouvez récupérer plusieurs cités. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez tiré de la... du deck une carte de cité, vous pouvez plus jamais la tirer de nouveau. Je crois qu'il y a 33 cités au total. D'ailleurs, c'est surligné. C'est sympa. Il y a 33 cités au total sur la map qu'on peut visiter. Et dès qu'on quitte une cité, il y a quasiment tout ce qu'il y a sur le plateau qui va disparaître, en fait. Il y a juste des choses qu'on peut embarquer avec nous. Bon, genre, bien entendu, les décennies et les années qu'on a volées vont venir avec nous. Mais genre, les traces vont disparaître parce qu'en fait, on s'est enfui, on a changé de lieu. Donc, nous avons directement un assassin qui est sur nous parce que à cause de cette trace qu'on a, en fait, il y a un gars qui nous est directement tombé dessus. Donc, on a récupéré 2 de cash grâce à notre... grâce à notre plan pour s'échapper, on a démarré avec ça. Et donc ce qu'on peut faire immédiatement, c'est se barrer, parce que voilà, on a cet assassin qui est juste sur nous. Du coup, le truc, c'est que, comme vous avez vu, le fait que j'ai mis la cité dans ce verbe de voyage, en fait, d'ailleurs on va le mettre en bas, je pense qu'il va pas nous servir tout le temps, parce qu'on va en avoir d'autres qui vont apparaître après. Et en fait, pour pouvoir s'enfuir, il faut préparer nos affaires pour pouvoir se barrer. Et ça veut dire que chaque cache est mis un par un et prend 10 secondes. Chaque objet qu'on va pouvoir trouver va aussi prendre 10 secondes, etc. etc. Donc si on a par exemple 6 objets, ça va nous prendre minimum une minute pour pouvoir nous enfuir d'une cité. Et sachant que pendant ce temps-là, il va y avoir un assassin qui va essayer de nous frapper, de nous générer une blessure. Bon, il nous tue pas en un coup, bien sûr, mais vaut mieux faire gaffe. Salut Zephyr. Voilà, très bien. Donc là, on n'a rien d'autre. Donc du coup, on est prêt à partir. Et on peut embarquer avec nous tout n'importe quel truc qui est portatif, quoi, on va dire. Hein. Donc voilà, on prend le train. Donc on est à peu près dans les années 20. C'est l'Europe des années 20. C'est d'où le côté un peu appel de Cthulhu. Ok. Donc du coup, maintenant qu'on a voyagé, on a des cartes qui ont disparu. Et du coup, l'assassin, il a disparu parce qu'on lui a échappé. Et nous sommes en train d'arriver dans notre nouvelle ville. Voilà. Donc dans cette nouvelle ville, on a reconnaître, on va dire. C'est un peu de l'exploration qu'on peut faire au sein de la ville. Et nous avons récupéré du coup une connexion vers le Underworld. On a récupéré une unité de cash et nous sommes à Prague. Voilà, donc ça c'est notre ville. Et du coup, on voit sur la carte ici, voilà, c'est encerclé avec cette icône de maison. C'est l'endroit où on se trouve, basiquement. Alors, ce qu'on peut faire avec nos intentions, c'est que si... Ah ben non, je me trompe. Attends, ouais, non. Ça, c'est vraiment voyager. On va le mettre là-bas, parce qu'on va... Je crois pas qu'il va nous servir à grand-chose d'autre, celui-là. Et ensuite, hop. Donc, on vient de faire un petit peu de reconnaissance, et on a récupéré, du coup, un Edge Lore basique. Et ensuite, nous avons Relinquish. Donc, ça, c'est pour se débarrasser de choses ou ce genre de trucs. Ce qu'on peut faire, c'est que, par exemple... Enfin, déjà, on va... Est-ce que je peux... On peut utiliser ça. On peut utiliser le cache aussi. Non, on peut pas utiliser le cache. On peut utiliser ça. Ok. Bon, déjà, on va laisser ces trucs-là se finir. Parce que pour l'instant, tout va bien. Alors, comme vous avez pu voir, toutes les minutes ici, ça va arriver à zéro. Et ça a une chance de faire venir un agent, en gros, de notre adversaire. Qui pourrait venir visiter la ville. Donc, on a récupéré une blessure... Donc si on a 7 de ces blessures, on est mort, on a perdu. Donc il ne faut pas qu'on accumule trop de blessures. Une blessure peut être soignée, mais il faut mettre une décennie pour la soigner. Et pour l'instant, elle dure 1200 secondes. Donc si on veut la soigner, on peut la soigner plus tard. Je ne crois pas que les années, on puisse en récupérer d'autres. Donc c'est un peu notre ressource de base en début de partie. Ce qu'on peut faire par contre... Non, on va pas faire ça... On peut provoquer nos connexions pour les connexions du Underworld qui va nous transformer cette connexion en connexion officielle. Je suis pas hyper 100% maîtrisant de ce que ça fait. C'est un asset, les connexions Underworld, mais le truc c'est qu'elles ne peuvent pas être transportées avec nous. C'est-à-dire qu'on a des connexions, si vous voulez, dans la ville de Prague. D'accord ? Mais si on part dans une autre ville, ces connexions disparaissent. Ok, donc personne n'est venu. On est assez tranquille pour la minute qui vient. On va attendre que ça se termine, histoire de voir ce que ça va nous donner en plus. Salut Raccoon.
Allez, accélère un peu. Ok, donc là on a communication et on récupère notre première tentation qui correspond à notre première condition de victoire potentielle qui est s'échapper. Alors pour pouvoir s'échapper, il faut pouvoir utiliser la carte avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 obscurités. Les obscurités vont être d'autres cartes qu'on va pouvoir générer en fonction de certaines actions que l'on réalise. Et dès qu'on aura 7 obscurités, en gros ça veut dire qu'on peut disparaître dans l'obscurité et en gros on a gagné la partie en ayant réussi à échapper à notre poursuivant. Après, ce que je voudrais montrer, c'est que si on utilise notre lore de la lame, on peut provoquer notre adversaire, en fait. On peut leur dire « Ah ah ah, viens me choper ». Et pendant ce temps-là, on va envoyer des messages discrets depuis Prague, ce qui va nous permettre de trouver une nouvelle cité où aller. Parce que ça, on en a nécessairement besoin pour au moins avoir un plan d'échappatoire s'il y a un assassin qui débarque, au moins on saura où aller, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut rien faire pour l'instant avec ce qu'on a. Si, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vendre une année, si vous voulez, avec ça, pour récupérer un de cash. Et sachant qu'à chaque fois, prendre le train, ça coûte un de cash. Donc, il faut faire gaffe à ça. Le temps qui passe, d'ailleurs, ne coûte pas de cash comme dans le jeu de base, en fait. C'est pas un, c'est un DLC communautaire ? Je crois que c'est un DLC officiel, l'exil. Hein. C'est pas communautaire. Hein. Je crois. Hein. Je dis peut-être une bêtise. Du coup, voyons voir. Tchac. Alors, ça nous a donné plein de choses. Nous avons trouvé des faiblesses. Ça, ce sont les faiblesses de notre ennemi. C'est-à-dire que si on veut pouvoir l'éliminer, et donc faire en sorte qu'il cesse de nous poursuivre parce que nous l'avons éliminé, nous devons découvrir à quoi correspondent ces faiblesses. Ensuite, nous avons généré une trace, donc il y a des chances probablement qu'il vienne nous gauler. Et on a une deuxième tentation qui est la défiance. C'est-à-dire qu'on va savoir si on veut provoquer notre adversaire ou non. Ensuite, depuis Prague, nous avons trouvé la petite Paris de Kaunas qui est en Lituanie. Ok. Donc ça, je vais le mettre à côté du voyage. Parce qu'on sait que dès qu'on va vouloir se barrer, c'est là qu'il va falloir qu'on aille. Si je refais ça, ça va me trouver un deuxième lieu où partir. Mais le problème, c'est que si je choisis un de ces deux lieux à partir, genre imaginons on prend Paris. T'sais, on a petite Paris et Paris. Si je vais à Paris, bah celui-là je pourrais plus jamais l'avoir. Il va disparaître dès que je vais quitter la ville de Prague. Donc du coup, ce serait du gâchis. Donc on va pas préparer ça. Par contre, je crois qu'il y a une action qu'on pourra faire plus tard, peut-être quand on aura des alliés, c'est envoyer une fausse piste. C'est envoyer sur une deuxième ville, demander à un allié de générer des traces pour nous dans une autre ville pour du coup faire un delay des actions de ces gens-là. Alors, on va regarder déjà, est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va venir en reconnaissance ? Non, on a eu de la chance, personne n'a vu. Après, les traces, je crois que c'est à partir de 3 ou 4 que ça commence à devenir chaud. Et 5, 6, 7, là, ça devient garanti que quelqu'un débarque. Donc, un truc qu'on peut tenter de faire, que j'ai jamais essayé de faire, c'est que si on veut utiliser... Voilà, on peut utiliser notre connexion de l'Underworld, on peut faire des compétitions dans des combats illégaux si on balance une année avec. Alors je sais pas du tout ce que ça fait. Il va falloir qu'on le découvre. Je crois pas qu'on ait de location particulier qu'on puisse utiliser, non. Donc on va essayer pour voir ce que ça fait. Ça nous permet d'utiliser en fait en gros nos connexions. Ok. Donc ça nous a donné un challenge. Très bien. Et c'est tout. Mais par contre du coup je crois que j'ai perdu ma connexion de l'Underworld. Ou alors non, elle est toujours là. Donc, ces challenges, qu'est-ce qu'ils nous ont ? On a une opportunité, donc un potentiel non réalisé. Nous avons un aspect pris en année. Certaines choses sont trop précieuses pour acheter avec de l'argent. Et nous avons un aspect de Edge et un aspect de Graal. Alors, le truc, c'est que... j'ai un aspect d'Edge ici, donc je peux utiliser mon secret de la lame pour ça.
Mais après, j'ai pas de truc du cœur par contre. Ah, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Prague en reconnaissance. On va aller jeter un œil dans Prague si on trouve des choses intéressantes. De toute façon, on a déjà une trace générée. Ok, donc. Alors, combat illégaux, boldness ou bribery. Mage change with edge, forge, knock ou lanterne pour augmenter son efficacité. Ou alors, Earth, Grey Moth, Winter pour augmenter la subtilité. On va mettre du coup notre blessure, ça va nous donner du coup de l'hiver. Et ouais, parce qu'il y a des morceaux qui sont traduits du coup, les aspects. Mais par contre, ouais, le reste est pas traduit par contre. Donc du coup, ouais, on va utiliser l'hiver pour essayer de mettre de la subtilité. Et d'ailleurs, tiens, ça occupe ma blessure. Donc au moins, elle cesse de decay tant qu'elle est là. Donc ça, c'est déjà pas mal. On peut détruire une trace si on a deux types de connexions. On les voit ici, je crois. Aspect assisté à la déception. Et aspect assisté à la déception. Et il me semble que cette opportunité... Non, peut-être pas l'opportunité. Je crois que je vois. Il me semble que... Enfin, tu peux détruire des traces. Et d'ailleurs, détruire une trace génère de l'obscurité. Qui est en lien avec la tentation de s'échapper. Alors après, un truc qui peut générer des traces, c'est le fait de reconnaître la cité. Ce qui se passe en gros, c'est qu'on sort un peu de notre planque. On va se balader dans la ville pour voir un peu ce qu'il y a. Et voir si on trouve des choses. Donc par exemple, nous avons trouvé une opportunité pour des credentials médicaux. Donc c'est quoi? C'est une licence médicale. Si on veut avoir une licence médicale. Donc du coup, par exemple, si je veux utiliser ça, il me faut des connexions. On les voit ici. Soit des connexions dirigeants, soit une connexion, si je dis pas de bêtises, c'est officiel. Donc en gros, il faut avoir des connexions chez les officiels de la ville pour qu'ils nous donnent une licence médicale. Cette licence médicale, l'avantage, je crois, c'est que elle peut, si on l'obtient, elle peut se venir avec nous dans notre prochaine ville. Ça fait partie de ces ressources qu'on peut trimballer avec nous. Donc du coup, s'il faut qu'on trouve une connexion officielle, il faudrait qu'on retourne se balader dans Prague. Ou alors on pourrait peut-être utiliser notre connexion sur l'Underworld pour obtenir ça. On va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va débarquer? Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un peu ça encore tout en haut à droite. Parce que je sais, il y a des choses qui peuvent apparaître ici. Ok, pour l'instant toujours rien. Notre trace qu'on a générée n'a pas attiré l'attention. Ok, alors ça par contre, on a généré une trace supplémentaire du coup en essayant de se balader dans Prague. On a du coup une connexion officielle. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser cette connexion officielle avec un paiement d'une année supplémentaire. Voilà. Ce qui va nous donner normalement là c'est juste une opportunité de connexion officielle. Ok, donc on a une trace, voilà. Ah, on a raté notre challenge. Alors plus de combats illégaux, je serai prêt. Qui est le prochain? J'ai pris une blessure par contre du coup. Voilà, donc là on a une connexion officielle. Donc ce qu'on peut tenter du coup, c'est cette opportunité avec la connexion officielle. Je crois que ça va cramer la connexion officielle. Attends, on est à 10 de clé, mais après on est à 8 de Winter. Il nous dit il faut monter à 8 de Moth ou 8 de Edge. Ah ouais, mais en fait j'ai pas ce qu'il faut. Le problème c'est que j'ai pas envie de cramer ça non plus en fait. Au vu des aspects qu'on a. Donc bah au pire on va voir. Mais en tout cas ça nous a donné une deuxième blessure. Ok, donc ça nous a donné ses Medical Credentials. Donc on a une licence, c'est portable, donc c'est un asset qu'on peut embarquer avec nous. C'est une preuve apparemment, donc c'est des papiers officiels. Et ça a de la valeur, donc on peut utiliser ça pour récupérer des thunes si on a besoin. Sinon, on peut utiliser ça avec une année. Non, ok, pas du tout. Non, pas une décennie non plus. Ouais, je crois qu'il faut l'utiliser avec un lieu. C'est genre, on peut pratiquer du coup le truc de médecin. Mais dans un lieu, donc il nous faut un lieu. On peut du coup bien entendu louer un lieu dans la ville, genre un bureau ou ce genre de choses, mais il faut le trouver encore. Si on regarde sinon, avec communication... Non, ça c'est pas ce qu'il faut faire. Si on regarde l'intention de voyage, la seule chose qu'on peut utiliser c'est cette ville. Ok, donc là on a...
Ouais, on a mis trop de traces. Donc du coup, ça peut attirer quelqu'un qui va essayer de nous enquiquiner. Donc on a trouvé quoi? On a trouvé une opportunité pour un bureau discret. Alors est-ce qu'on peut peut-être utiliser cette opportunité pour... Alors si j'achète avec ça, ça va pas le faire. On va essayer de le prendre plutôt avec le cash pour voir. J'aimerais beaucoup voir si je peux prendre ce bureau avec le Medical Credential, voir si on peut en faire quelque chose. Ok, donc on a un petit bureau discret. Donc du coup, si on fait ça, alors ça nous permet de relax. Si on utilise une année, voilà. Là, on peut jouer au médecin. Alors le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de cartes qui ont un aspect cœur. Donc il faudrait déjà qu'on trouve ce genre de choses. Le problème, c'est que cette discrète office... Il va probablement falloir qu'on la vende pour... c'est un avantage. On pourra pas se barrer avec quand on voudra voyager. Sachant qu'on a probablement quelqu'un qui va bientôt débarquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à reconnaître Prague. Mais peut-être qu'on va pas rester éternellement. Je voudrais finir ce challenge, voir si on le réussit ou pas. Parce que... Oh, on peut utiliser du coup cet office. On peut utiliser cet office. On va voir ce que ça donnerait. Ouais, c'est raté. Je crois qu'il faut passer 3 étapes. L'opération continue. Ok. Bon, après, j'espère que je vais juste pas perdre. Ouais, j'ai pu choper une 3e blessure. Super. Alors, point ou armement. On n'a rien de ce côté-là. Donc, ouais, je suis peut-être allé faire ce challenge un peu trop tôt. Ici... Ils sont en train de nous rechercher, on sait pas trop... Il y a que 2 traces sur le terrain, donc peut-être que ça posera pas de problème. On a trouvé une autre opportunité, c'est une grande maison qui donne beaucoup d'espace. Pour se réfugier, ça fournit du cœur et du Graal. Si vous planifiez de retire ici, ça fournira aussi du confort. Alors ça, c'est ce qui fait partie des informations qui sont en bas. On a ici le confort. Le confort va déterminer la qualité de notre victoire si on essaye de disparaître avec la tentation de s'échapper. C'est-à-dire qu'en gros, si on se trouve une belle villa dans un coin et qu'on arrive à disparaître en ayant cette belle villa, etc., ça va nous faire une bonne victoire, si vous voulez. Ici, on a nos blessures, il ne faut pas qu'on en ait plus de 7, sinon on a perdu. Et ici, on a encore le nombre d'années volées qu'il nous reste. Donc on en a encore un paquet, sachant qu'une année, on peut subdiviser une décennie en 10 années normales, quoi, on va dire. Donc du coup, alors ça nous coûterait 4 à acheter, donc c'est un peu trop cher. Alors je vais attendre un petit peu, juste voir ce que ça va donner ça. Ok, alors il a demandé des renforts, donc du coup il va falloir qu'on se barre en fait. Alors je voudrais finir ça avant au moins. Bon après, l'avantage au moins, c'est que ces blessures boostent pas mal nos aspects de l'hiver. On peut les utiliser pour ça. Bon, et merde, pardon. Donc là, l'opération est terminée. On a pris encore une autre blessure. Mais par contre, on a récupéré 2 de fond apparemment. Et on a généré donc 2 de cash. Ça fait plaisir. Ok. On a du coup des blessures, c'est-à-dire qu'on allait se battre dans des combats illégaux et on s'est fait éclater un peu la gueule, quoi, en gros. On a récupéré Fights Paying Off, donc ça devrait nous donner, je crois, peut-être un fonds supplémentaire. On a à nouveau l'opportunité des connexions et on récupère notre office. Donc ce qu'on peut faire peut-être, c'est... Ok, ça devrait me le transformer en connexion standard. Mais le problème, c'est comme vous pouvez voir, on a un assassin qui vient d'arriver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre cet office... On va envoyer du cash à Konas. Parce qu'on peut du coup envoyer en avance de phase des trucs. C'est bien sûr, il va falloir qu'on s'en occupe. Peut-être qu'on va en soigner une. Normalement, les credentials médicales, ça, on devrait pouvoir les garder avec nous. Ça, on va rien en faire du coup, vu qu'on est en train de se barrer. Et cette opportunité, on va aussi la cramer. Que... Ouais, non. On va pas avoir grand chose d'autre à faire. Et ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc ça nous a donné un de cash. Et lui, il va
Ok, alors il a raté. Il a raté son attaque, mais attention. Il est toujours en train de me chercher grâce aux traces qui sont sur le truc. Donc on peut se défendre. On peut se défendre avec une décennie, ce qui est pas génial. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est non, on va se barrer. Go. Donc du coup, ça prend l'autre cache que j'avais. Ça va venir prendre ma licence médicale. C'est tout ce avec quoi on va partir. Donc let's go, avant que lui puisse... voilà, c'est bon, il a disparu. Les autres trucs ont disparu, on garde juste nos blessures et ce savoir. Et du coup, arrivé dans cette ville, nous avons un contact. Parce que en gros, ça aussi c'est une des fonctionnalités du jeu. Donc là, c'est l'endroit où on se trouve. On est en Lituanie, c'est ça? Ouais, on est en Lituanie. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, c'est... récupérer le cache qu'on s'est envoyé, déjà. Parce qu'on avait fait ses préparations. Ensuite, on peut soigner du coup ça avec des cannes. Alors juste pour voir, on est à 1079, 1079, 1079. Ah ben elles ont... Non, celle-là est plus ancienne. On va en soigner un pour voir. Ouais, ou alors peut-être pas. Voyons voir si on va trouver peut-être une... Bon, on va voir. Donc déjà, on a trouvé, voilà, on a récupéré notre cache. Ensuite, on va envoyer des messages discrets depuis le lieu où on se trouve. Ok. Ça, il nous faut un lieu pour pouvoir pratiquer la médecine. Ok, donc on a Rostock qui est du coup en Allemagne. Très bien, donc ça pourrait être là-bas qu'on va partir après. Ensuite, je crois qu'on peut parler avec lui, voilà, discuter avec cette personne qui a l'air d'être un boulanger. Donc il a 6 en hiver, c'est un contact local et c'est un mortel. Alors le truc, c'est que ces contacts, on peut les transformer en alliés. Si on arrive à les transformer en alliés, ils vont nous suivre partout où qu'on aille. Et ils vont être des ressources qu'on peut utiliser pour certains challenges par exemple. Donc des ressources diverses par exemple. Donc ça, on va essayer de faire ça. Ensuite, on reprend la ville où on se trouve là. On va le mettre là. Et on va aller faire un peu de reconnaissance dans la ville. Puisqu'on a zéro trace ici pour l'instant. Trouver peut-être des connexions si possible. Voir ce qu'on pourrait faire avec. Donc du coup, lui... Alors, voilà. Il veut qu'on l'aide à... Il veut qu'on l'aide à aller dans ce lieu, donc c'est un coffre-fort, si vous voulez. C'est un peu comme les expéditions dans le jeu de base, d'accord? Et d'ailleurs, si je retourne lui parler... Ouais. Pour le transformer en allié, il faut qu'on réussisse du coup ce truc-là. Si on veut réussir ce truc-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on y voyage. Et on va y voyager avec quelque chose. Le truc, c'est qu'on a ici notre secret de la lame qui est fatigué. Il faut attendre qu'il revienne. Donc, on va pas pouvoir y aller tout de suite. Mais il faudrait qu'on réussisse ce truc-là si on veut. Alors, on a une opportunité pour une grande maison. Mais comme on disait, cette grande maison, elle coûte beaucoup trop cher. A priori, j'ai pas envie de calaquer je sais pas combien d'années pour acheter ce truc-là tout de suite. Faut remarquer qu'on a un peu de cash, mais... On va pas continuer à partir en reconnaissance. Faut qu'on fasse un peu profil bas quand même. Alors voilà, on a à nouveau le petit bureau discret. Donc on va se payer le petit bureau discret. On va tenter, on va essayer de faire quelque chose avec ça pour voir comment ça fonctionne un peu. Ok, donc du coup, on utilise ça avec truc de médecin. Et il nous faut apparemment une année volée pour pouvoir le lancer. Ok, donc on a ouvert notre job. Donc business hour... Donc ça nous demande 4 de cœur ou 4 de Graal. Sachant que... Alors ces trucs-là nous donnent de l'hiver. Lui aussi nous donne de l'hiver malheureusement. Le cash nous donne un petit peu de Graal. Mais pas 4 malheureusement. Donc c'est ce qui est un peu compliqué. On n'a pas trop de... On manque de ressources en fait. Donc on va continuer à reconnaître les lieux.
On pourra peut-être pas rester très longtemps dans le coin. Alors là, il propose d'utiliser Winter pour augmenter la subtilité. Donc si je mets lui, on va voir ce que ça va donner. Encore, alors une villa cette fois-ci. Si on regarde la villa, elle coûte encore plus cher. Elle coûte 8 de prix. Donc ça va être mort par contre. On va essayer de trouver une autre opportunité. Alors ces autres trucs-là, je pense que je vais les mettre là plutôt. Ok, alors on a quelqu'un... Eh merde, on a généré une trace en plus, donc s'il faut... Alors on a trouvé un lieu de foi, apparemment. Je crois qu'on peut aller... On va aller jeter un oeil à ce truc-là. Bon après, cette trace, malheureusement, elle risque pas de disparaître. Je pense pas qu'on puisse... Non, on n'a pas les connexions, il nous faut des connexions. On pourrait faire disparaître. Le problème, c'est que pour trouver des connexions, il faut qu'on aille... Il faut qu'on aille explorer ce qui peut nous donner d'autres traces, en fait. Donc du coup, c'est ce qui est pas évident. Ok, donc on va utiliser nos blessures pour augmenter l'aspect hiver. Voir si... Mais comme j'ai, c'est... On n'a pas le bon truc, on va dire, de base. Attends, la foi, ça... Ah bah ça a un peu du cœur et de la lanterne, on va utiliser ça. Parce que ça, c'est avec le cœur ici. Ça devrait peut-être donner quelque chose d'intéressant. Non, on va pas utiliser ça. Alors, si je vais me débarrasser de ça, comme je disais, il faut qu'on ait les assistants à la déception. Sachant que ouais, lui, il a pas le trait. Juste un contact local. Ok, donc du coup, quelqu'un nous recherche. Il n'y a qu'une seule trace sur le bord, donc j'espère qu'ils vont juste disparaître. Ça m'arrangerait. Hésitation. Ils sont pas sûrs que si je suis là ou pas. Bon, on a raté ici. Une complication avec Forge, mais le problème c'est que des trucs de ce niveau là on n'en a pas en fait. C'est ce qui est compliqué quoi. Je monte à peine à 4 d'aspect de cœur actuellement. Ok, il a appelé des renforts. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se barre à nouveau si on a un assassin qui décide de débarquer. Salut Redompty. Bon, au moins on a Rostock qui est prêt. Ok, c'est terminé. Alors qu'est-ce que ça nous a donné? Ça nous a donné 2 de cash. C'est toujours ça de prix, on va dire. On a récupéré du husk. C'est quelque chose qu'on devrait pouvoir peut-être... Ok, lui on peut pas le réutiliser tout de suite. On a notre discret office. Alors on a... Ok, alors... Voilà, lui, c'est pas un assassin, c'est quelqu'un qui vient voler nos trucs, en fait. Ce qui est super pénible. Donc, on va déjà envoyer du cash au loin avant qu'il nous le vole. On va revendre du coup cet office parce qu'on va bientôt se barrer. Vu que l'autre est arrivé, il faut pas qu'on reste là. Je vais essayer de voir, est-ce que je peux... Alors j'ai pas d'arme malheureusement. Je voulais voir si on pouvait du coup l'attaquer. Alors je peux me défendre avec des... Ouais, soit avec des connexions. Alors on peut essayer de choper des connexions en attendant. Il faut juste que je me garde un de cash de côté si possible. Ouais, c'est dur. Ouais. En plus, et voilà, lui il me vole mes trucs et c'est enfoiré quoi. Donc apparemment j'ai réussi à le blesser. Mais le truc, c'est que je vais pas pouvoir l'enchaîner et ça génère une trace, forcément.
Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre a priori? Parce que moi, ce qui m'emmerderait, c'est qu'ils nous détruisent nos trucs médicaux, mais je ne crois pas que je puisse l'envoyer à l'avance. Alors, on a une opportunité pour acheter une substance dangereuse. On va dépenser notre cash pour l'acheter tout de suite. Et on a 10 secondes devant nous. Ok, ça nous donnait Curio Adept Powder. Alors, ça nous donne au moins 4 du coup de forge. Si on peut utiliser ça, ça pourrait être très sympa. Le truc, c'est que l'autre, il va encore nous voler quelque chose, à moins que j'utilise une décennie. Mais sinon, le mieux, ce serait qu'on se casse. Voilà, au moins, voilà. Une fois que ça a été empaqueté, au moins, il ne peut pas nous le voler. Ça, une fois que c'est empaqueté, il ne peut pas nous le voler non plus. C'est tout ce qu'on va avoir. Et du coup, bon, malheureusement, nom de contact, on n'aura pas pu faire son coffre-fort, là. Donc, tout ça a disparu. Alors, on a récupéré à nouveau une petite maison sympa qui donne 4-4, niveau 2 en espace. Ça c'est cool, dis donc. On peut utiliser ça pour récupérer les thunes qu'on avait envoyées en avance. Et alors, je vais pas refaire le truc médical parce qu'en fait, je sais qu'on n'a pas du tout les traits qu'il faut pour le faire. Il va falloir qu'on patiente un peu de ce côté-là. Je vais quand même utiliser une décennie pour soigner ça. Ah mais j'ai pas d'aube. Alors je crois que... Ouais, si on relaxe, peut-être que je peux l'avoir. Mais je suis pas sûr. J'espère que ça va me rendre ma décade, ma décennie du coup quand même. On va préparer du coup notre prochain truc. Ok, donc Amsterdam pour la prochaine destination. On va aller reconnaître un peu en restock en espérant qu'on génère pas de traces. J'espère que ça... Ouais, c'est bon, ça fait que l'annuler, donc ça c'est bon. Voilà, ça nous a donné 4 de contentement, sachant que ces contentements, ça nous donne beaucoup de cœur. Voilà, qui peut être intéressant. Parce que... Est-ce qu'on réessaye ce truc là du coup pour voir? Vu qu'on a directement cette maison. On va voir. Ok. Bon, je vais faire un petit break ici par contre parce que c'est l'heure. Donc on va continuer au prochain épisode, voir comment ça se passe. Donc merci à tous d'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous.